Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour aujourd'hui les 18 idiotes. Nous commençons avec une grande titre. La police y confirmait qu'il est madame 37 ans in noyé Pointe-aux-Sel bon matin après qu'il bateau il y avec trois les sous-adultes qui l'a denti s'abiré. Au commissaire Sri Lanka pour Cécile, il dit que son gouvernement peut faire son mieux pour que bateau Sri Lanka qui la pisse illégalement dans l'île Cécile y arrête ses activités. Un groupe Zen qui suivent session préparée pour travail et recevoir un certificat, ça y est à travers le programme Skills Development offert par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Nous passons au bon détail. Un madame 37 ans est noyé après qu'un bateau qui est là dedans s'avirait beau matin. La police dit que ça a l'incident, il arrive de la mer Pointe-aux-Sel. Sa madame qui est restée en sous-pain ensemble avec trois les autres adultes dans un bateau qui s'avirait. Sa trois les autres dimons, des hommes avec une madame, Tigayan emmené l'hôpital en soyal après transfert l'hôpital Cécile pour l'assistance médicale. La police dit que d'après l'information qu'ils ont été ramassés, sa quatre dimons tin qui à terre en soupin vers 10h30 beau matin et type a fait un viré le lendemain. Et d'après ma sa zone qui type emmène bateau, la roule ti tape bateau et s'avili. Et la police dit que c'était un garçon qui prend bateau son papa avec les trois les autres individus qui a ramassé sa bonne dimone. Au commissaire Sri Lanka pour Cécile, il dit que son pays peut faire son mieux pour réduire la pêche illégale par ce bon bateau dans de l'eau Cécile. Au commissaire Sri Lanka, tu peux répondre à la question SBC concernant sa bonne bateau la piste Sri Lanka qui peut gagner attrapé puis la piste illégalement dans l'île Cécile. Il dit que le gouvernement Sri Lanka est au courant de sa situation et il travaille un plan pour décourager la piste illégale dans l'enmer par ce bon bateau. We are not objecting to any of the interfering with any prosecution on the finding of the Sri Lankan fishermen by the Seychelles authorities. So we'll fully cooperate with them. But also we have made arrangements in Sri Lanka also. That is, there's the new vessel monitoring system to be implemented or fitted from the August this year. There's a training programs also, and also we have to mention there's a task force that meet every month. That is the Sri Lankan authorities with the fisheries, with the navy, to how to minimize illegal fishing. So with the monitoring system being fitted, I think it will roll out from August, and it will take at least 2 year program. By that time it will be we can reduce, because it's economically both countries are being affected, Seychelles and Sri Lanka being affected with illegal fishing. So we had to make a stop. And Sri Lanka is doing all the best to make sure that it's kept, stop this illegal fishing. Un groupe 18 Zen asé en 15 ans et 19 ans sorti d'un programme Skills Development qui département l'emploi y offert, il recevra un certificat pour sa participation dans Prepare for Work Program qui est une suite contre l'Institut Guimorel. Ça a été pendant une cérémonie contre l'Institut de la présence ministre pour l'Emploi et les Affaires sociales, Patricia Franco, les officiers de l'Emploi et bon travailler ça l'Institut. Programme préparé pour travail qui est lancé en octobre 2020, il y a un programme qui gagne fait à travers l'Institut Guimorel en partenariat avec le ministère de l'Emploi. Après qu'un groupe 18 années a résisté aux autres le programme développement compétences avec le ministère de l'Emploi, c'est là qu'ils ont gagné l'opportunité pour suivre ce programme. Sabrina Assari, un officier de l'Emploi, il dit que ce programme est pour les jeunes qui n'ont pas fini leurs études de niveau secondaire ou soit qui n'ont pas gagné sens pour aller dans l'école post-secondaire. Normalement, nous commençons avec 30 participants, mais seulement par eux qu'on n'est pas tout. Là, ou choisir ou sélectionner les autres pour suivre ce programme partout qui arrive capable de compléter ce programme. Pour différentes raisons, il y a des trois qui arrêtent. Par ailleurs, un message qui m'a passé avec Benzen qui actuellement là, les autres n'ont pas fini, les autres l'étude secondaire ou soit peut-être les autres n'ont pas fini, les autres n'ont pas gagné sens à
une institution professionnelle, vous êtes assise dans la cour à cause là pour le moment les marques sont vraiment compétitives pour être capable de compter avec les autres job seekers qui plus qualifiés pour qui autres. Alors moi chaque fois dans cette appel vous êtes venu enregistrer en bas nos programmes skills development que vous avez gagné cadre à travers training et là en même temps parce que vous avez un job vous avez même gagné ça une opportunité par ce groupe là pour vous venir ici côté de Montréal pour vous gagner sa préparation pour entrer dans le monde travail plus tard. Ça pour grand préparer pour travail puis gagner faire dans 21 sessions que ban étudiant il gagne bonne compétence et connaissance au travail et pour aussi capable préparer autres pour le monde travail. Timothée Sinon qui coordinateur programme ça à l'Institut, il demande plus support pour un étudiant qui plus intéressé dans ses vocationnels au lieu qui académique. Nous peut voir un problème aujourd'hui dans système d'éducation côte nous système curriculum nous educational curriculum il peut favoriser bons enfants qui plutôt académique. Et là, on peut voir qu'il y a des enfants qui finissent S5, les autres sont défavorisés. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas gagner entry dans les institutions postsecondaires. Et aujourd'hui, c'est nous qui souffrir avec le manque de travail. Et nous avons clairement que ces enfants, s'ils gagnent sens pour entrer dans l'institution postsecondaire, à least gagner accepté dans certains programmes de base, nous. Éventuellement, nous n'avons pas besoin autant de travailler étrangers, Cécile. Et moi, je lance l'appel au ministère de l'Éducation, tout partnership avec nous dans ce programme pour nous capables d'encadrer nos bons enfants plus bien. Janessa Florentine, il y a un parmi sa 18 dizaines qui a reçu un certificat pour ce programme. Les sombis, c'est pour venir enseignant, ça y a cause d'un environnement plus jeune qui lui progresser dans la vie. Mme Florentine dit qu'il est bien content qu'il ait l'opportunité pour suivre un tel programme. Il est moins personnellement, professionnellement, je connais qui m'a vraiment envie, qui m'a aimé pour vous plus devant. Je viens de faire honneur sur mon besoin, commence par un miss pour être capable de plus pour adapter mon mari. Je voulais que pour continuer à développer plus de connaissances après l'expérience avec plus tard. La vie pas finie là, parce que c'est découragé, vous plus devant, il y en a plus pour apprendre, il y en a plus pour connaître. Et aussi, plus gros conseil, parce que c'est les personnes qui vous font. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous faites les autres mêmes. Un autre jeune homme qui décide de saisir cette opportunité pour suivre sa programme est Andy Barbé qui en vit un technicien. Il dit suivre sa programme à cause de ses sentiers, il a besoin de support et nouvelles connaissances et compétences. Moi, je suis devenu technicien aircon. Quand on fait quelque chose, aircon, fridge, faire payer l'ammonia. Ouais, dans ce moment, mon père l'école là, mon SIT Advanced Certificate. Moi, assez normal avec ça que mon vie fait de mon les fichiers. Mon papa l'a payé et réparer là on a nous gagne certificat et fait mon plus voyer. De mon plus sa confiance pour mon corps, pour mon travail. Ouais, moi les 10 autres, les vélos autres, sans cela, pas gâté. Ils ont la pour être 10 mounes. Si vous voyez, n'a pas personne papi ou mon conseil autres vina. Il y a un talent du monde, un talent d'esprit, t'as mon walo pour gagner ici. Pour terminer sa cérémonie, après que tous les 18 ans, ils recevront leur certificat, c'est bon, les gens, ils sentent son son ensemble avec les autres 10 mounes qui sont présents. Merci Tigui Morel, le ministère de l'Emploi, une félicité à Sabanzen et je souhaite que Sabanzen a continué à bouger en avant et saisir toute l'opportunité qu'ils ont gagné à l'avenir. Il commence à avoir beaucoup d'intérêt pour revivre le district en île d'API, surtout avec plan gouvernement pour diversifier base économique. Des actes clés dans sa secteur, Kafo Yacoub pour la compagnie Chaka Brothers et Mustapha Bristol, propriétaire Globarum, il cause un pile ou l'avenir ça à l'industrie. M. Yacoub dit qu'il faudrait faire attention au produit qu'il est rapide à demander, tandis que M. Bristol dit qu'il faudrait en plus l'assistance sorti côté gouvernement. Ou gagne plus de revenus si on add value to something. But then the problem is the export market. At the moment, mon niche market pour moi, c'est mon coin export sa produit brut, c'est-à-dire l'écorce cannelle. Il y en a qui vont peut dire non, mais non, mon coin nous carrément plus ça. Mais est-ce qu'ils ont assez l'expérience pour al promouvoir des finished product ou soit aller repiler les produits ou raw material après le process. Comprends? Tout ça là il y en a. So we have to be careful. Dans l'industrie, même pour développer, il y a un capital intensive investment dans lui-même. C'est encore, nous avons besoin d'un bon scheme, et nous avons besoin d'export, on peut encore un export relief scheme,
qui donne une certaine tax exemption, qui donne un peu relief, le GOP, que l'appareil nous, nos secteurs. Le challenge que nous pouvons faire face avec, c'est nous pas gagner 10 monde pour battre suffisamment 10 monde pour battre Canel. Nous pas de market, nous pour faire. Mais nous besoin encore travailler étranger. Encore la gouvernement y a entré pour une bonne politique qui permet de nous, un secteur qui peut, si tout target export, par le gouvernement, nous peut comprendre notre programme de diversification, faciliter de sa banque quelque chose pour nous. Tous les deux, M. Yacoub et M. Bristol, pour un programme CANIL qui est l'avenir, qui est aussi un officier gouvernement qui pour cause de s'assiser l'industrie CANIL, programme pour passer après nouvelles sports. Ministère Finance, Planification économique et Commerce et la Banque centrale, ils commencent une série de rencontres pour informer bon partenaire le programme réforme économique que le gouvernement peut faire avec support IMF. Représentant sa ministère, rencontrer médias aussi bien avec des participants sortis de commission médias. Et l'autre rencontre tient avec mon plateforme qui regroupe Société Civile, CEPS, et mon Transparency Initiative, Seychelles. Mon secteur privé, nous aussi gagne des détails de sa programme dans l'autre rencontre des jours passés. Tous les trois rencontres qui commencent avec une présentation de l'objectif de sa bonne réforme et qui résultat expecté en menée, suivi par questions et clarifications sorties de bonnes participants. Ministère Finance dit d'un communiqué qui, pendant que tous les trois groupes, une rôle de clarification de bonnes cisées spécifiques concernant sa programme, Zotin exprime souhait pour engager entièrement de sa processus. Zotin met l'emphase sur la nécessité pour garder bien formé à tout moment et offrir de l'assistance tout du long sa processus. Et c'est là aussi qu'il nous arrive à la fin bulletin pour aujourd'hui soir. Merci pour suivre bulletin.